Blocage de Tipeee suivant Larmsau. Ok, pour cet éducatif de base de la technique Lob Sao, Lucille vient intercepter en Byujang Sao l'attaque de Karen, vas-y Karen attaque, la technique est déviée, Lucille continue à emprunter le reste de force de Karen pour pouvoir faire une déviation vers le bas avec la saisie, ici au niveau du poignet. Karen ici, c'est qu'elle bloque directement, sans contact préalable du pont, à l'intérieur de l'avant-bras de Lucille. Seconde manière de travailler l'éducatif de base de la technique Hang Sao, en garde inversée, avec interception du coup de poing, avec Jump Sao sur la ligne centrale, prise de pont, et ensuite dégagement avec la technique Hang Sao. Allez-y les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exemple d'application de Hang Sao en blocage d'urgence direct. Première action, blocage Jump Sao. Seconde action, blocage Kun Siu Kun. Dernière action, blocage Hang Da. 1, 2, 3. Technique de Tipeee suivante, Lloyd Johnson. Sur la ligne centrale de combat avec Byujang Sao, vas-y, voilà. Puis elle pivote, emprunte le reste de la force en tirant vers sa hanche. Donc on a vu trois techniques différentes de saisie. On a vu Lon Sao, on a vu Lam Sao et on a vu Loi Jot Sao. Le Lon Sao, excuse-moi Lucille, le Lon Sao avait pour but ici de libérer la ligne basse, hein, en levant le bras sur la saisie. Le Lob Sao avait pour but de rabattre le bras, de fermer ici la ligne centrale. Le Lob Jot Sao, lui, a pour but de tirer vers la hanche. Donc, trois actions différentes, même si elles se ressemblent, l'intention n'est absolument pas la même. Exemple d'application de Lob Jot Sao à partir d'un contact préalable du pont sur la ligne centrale de combat. Première action, blocage Tam contre le pack. Seconde action, blocage Fu Sao inachevé. Troisième action, blocage Biu Sao. Puis Loi Jot Sao. Puis Siung Ma Pak Da. 1, 2 et 3. Et enfin, dernière technique de Tipeee pour cette vidéo, Noi Jot Sao.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le travail de l'éducatif basique de la technique de Jiangsao, Karen va intercepter l'attaque de Lucille sur la ligne centrale de combat avec Biu Jiangsao. La technique est déviée par la structure pyramidale. Ensuite, Karen emprunte le reste de la force pour faire son œil de Tsao et libérer ainsi la ligne centrale de combat pour une attaque éventuelle simultanée. Exemple d'application de Neue Jutfeld en blocage direct après un blocage Yang sur la ligne centrale de combat. Donc c'est ce qu'on appelle un Yodfuki, une main en pardon. Première action, blocage Fuxao inachevé. Seconde action, blocage Neue Jutfeld avec frappe simultanée Fun Sao, Neue Jutfeld. Puis contrôle du bras en pack et attaque Chang. Chang Jung à la gorge. 1, 2, 3,